Bonjour amis téléspectateurs de CSTV, Balandinho sur la www.congosociatv.com. Dans les soucis de vous informer, nous sommes là. Et le Congo saigne, Kananga crie au secours, personne pour aider Kananga. Et dans ces soucis, on ne sait pas ce qu'ils pensent les politiciens. Et il y a un moment où il y a Lombango et pas il y a Moko Yabino politicien, Oboyebi Dr Kabanda, qui est le représentant de l'UDPS Belux, ici en Belgique, précisément à Bruxelles, pour tout le monde qui est en train de se la situation des politiciens congolais. Tout le monde pouvoir en place, Oyo, Bakor et Saint-Sylvestre, et Pesaki Bangomo à poids, Batika Latine à date à l'éloyo, mais ça va s'entêter. C'est comme si y a un moutet Pesi pour un rassemblement. Tout le politicien Moussousou pour te baser à la Tilelo. Alors, on a souci à mettre dans le Congo Soukisa. Aïe, encore une fois auprès, il y a Dr Kabanda pour nous causer. Moi, ma précision dans ma gamme, Mike, tout le monde, histoire, comme on a ça pour. Et dans tout ça, dans peu de minutes, nous allons essayer un peu de parler avec le Dr Kabanda. Bonjour, Dr Kabanda. Bonjour, Maître Donat. Bonjour. Bonjour à tous vos téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent à travers tous les réseaux possibles. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Comme vous le savez, le Congo saigne, comme d'habitude. Et aujourd'hui, Kananga crie. Vraiment, les mamans pleurent. On enlève le jeune. On tue le papa. Et vis-à-vis de cette situation, les politiciens congolais, à Kinshasa, se disputent seulement le poste. Quelle est la lecture que vous pouvez faire? Mais c'est très triste parce que, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même dire ma pensée pieuse et ma tristesse, ma profonde tristesse face à ce désarroi, ces crimes qui sont en train de se commettre au vu et au su de tout le monde. Parce que les éléments vidéo qu'on voit, les photos qu'on voit, ça c'est du jamais vu, en tout cas au centre de notre pays, au Kasaï particulièrement. Parce que personnellement, je connais un peu l'histoire de mon peuple. Si je parle du Kasaïen, on n'a pas ce qu'on voit là. Le peuple Kasaïen, ce n'est pas le peuple aller égorger les gens, aller décapiter les gens. Ça, personnellement, dans toute l'histoire que j'ai lue de mon pays, je n'ai jamais vu ça. Et quelle alors la lecture que je vais faire par rapport à ça? C'est que c'est clair que le régime en place a infiltré le Kasaï avec des milices de tout genre, des gens, parce que quand on regarde ça, je ne sais pas, ceux qui ont vu les génocides rwandais, il n'y a pas de différence. Hein. Mm-hmm. Vous savez ce qu'on a vu au Rwanda. Mm-hmm. Quand on voit ce qui se passe à Beni, il n'y a pas de différence. Quand on voit les massacres je ne sais plus comment le qualifier, ce monsieur qu'on appelle Gédéon, ce qu'il a fait quand il était qui terrorisait les civils au sud-est du pays. C'est exactement le même mode opératoire. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je ne serais pas étonné si on me dit ce sont ces milices-là, les milices de l'est du pays, les milices de Kyungu et toutes sortes de milices que le pouvoir est en train de d'instrumentaliser, qui sont en train de tuer au Kasaï aujourd'hui. Dans quel but? Je crois que si ce n'est pas pour effrayer, terroriser le Kasaïen, parce que dans son entendement, si ce sont les Kasaïens qui l'empêchent de rester indéfiniment au pouvoir, il se trompe, parce que tous les Congolais sont debout aujourd'hui. Et si c'est ça qu'il veut faire, terroriser le Kasaïen pour qu'il recule, ou bien alors faire en sorte que le processus électoral traîne le plus possible, parce que maintenant on va être préoccupé, la communauté internationale va être préoccupée par ça. Mm-hmm. Et donc ça, c'est vraiment des choses, des calculs machiavéliques du régime en place. Pour moi, c'est ça la lecture que je peux faire par rapport à ça. Et c'est vraiment triste. Mais c'est triste, Dr Kabanda. C'est un peu étonnant aussi quand on parle de ministre Kamwenan Sapu. C'était à Timbulu et maintenant c'est un peu partout. Monedito, quand on voit Monedito, la position géographique, Monedito, c'est la sortie même de Kasaï pour aller à Katanga. Et Kamwenan Sapu avait des gens partout. C'est étonnant.
Bah, c'est pour cela que dans mon développement, je n'ai pas évoqué un seul instant le nom de Kamoyonan Sapo, parce que je suis convaincu que qui connaissait Kamoyonan Sapo dans le Kasaï? Moi, je ne connaissais pas ce nom. On vient de le connaître maintenant. Et comment cet homme qui était inconnu jusqu'à peu pour avoir une milice d'aussi importante pour aller dans tous les Kasaï? Non, ce n'est pas possible. Je pense que ça, c'est la parade. C'est vraiment l'éventail qu'on est en train de brandir pour tromper l'opinion que c'est les milices de Kamoyonan Sapou. Moi, je ne suis pas convaincu que Kamoyonan Sapou y est pour quelque chose. Les gens me racontent à Timboulou un peu partout, a su à vue de tout le monde. Et que pensez-vous de la MONUSCO, pour ne pas dire communauté internationale, vient qu'en retard? Oui, c'est triste hein, de voir tout ça se passer sous les yeux de tout le monde, hein, au vu et au su de tout le monde, et particulièrement devant cette force du jamais vue dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, une force d'aussi importante qui est au Congo pour faire quoi? En tout cas, préserver la paix. Protéger les populations civiles, et malgré cette présence aussi massive, on continue à assister à ce genre. Il y a lieu de se poser des questions. Ça fait 15 ans que la MONUSCO est au Congo. Ça fait 15 ans que les Congolais sont massacrés. Moi, je crois qu'il y a lieu de se poser la question. Cette présence, elle sert à quoi? C'est peut-être le moment d'interpeller cette communauté internationale, cette ONU, malgré tout ce qu'on lit à travers les résolutions, malgré toutes les dispositions qu'on prend pour condamner, mais je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vu dans la dernière résolution, on dit deux priorités, la protection des populations civiles, mais c'était déjà dans les résolutions précédentes. Et Un référent qu'on connaît tous. on connaît ces refrains-là, mais je pense qu'il faut que la communauté internationale passe aux actes. Parce qu'on connaît les auteurs. On connaît les auteurs. Si on ne sait pas protéger la population puisqu'elle est peut-être trop importante, ben alors qu'on s'attaque à ceux qui tuent. Parce qu'ils ne sont pas. Ils sont pas nombreux. Cette milice ne représente rien par rapport à l'importance de la force de l'ONU. Moi, je pense que si nous avons quelque chose à réclamer encore, à demander à cette communauté internationale, c'est qu'elle fasse tout ce qu'il faut pour que, cette fois-ci, qu'il passe aux actes, qu'il protège réellement la population civile, parce que trop, c'est trop. Docteur Kabanda, en vous suivant, est-ce que 15 ans après, la MONUSCO est là et il n'y a que des renouvellements de la mission de MONUSCO au Congo, mais rien ne change. Est-ce que vous pouvez aussi dire que la MONUSCO est complice de tout ce qui se passe au Congo? Je ne veux pas franchir le pas en traitant la MONUSCO comme complice, mais quand on voit la passivité avec laquelle certaines choses, enfin, avec laquelle cette force assiste parfois, parce que les informations qui nous viennent sont parfois assez étonnantes par rapport à cette force, on peut franchir ce pas, mais personnellement, je ne le ferai pas, puisque c'est aujourd'hui la seule planche de salut pour essayer de sauver les populations civiles, c'est cette force-là. Parce que si cette force n'était pas là, moi je ne sais pas ce que les milices de Kabila auraient déjà fait dans ce pays-là. Et donc, je ne veux pas aller les acculer en même temps, leur demander, ce serait un peu contradictoire. Je pense que c'est la seule planche de salut pour sauver les populations civiles aujourd'hui face à ces barbares, ces bandits que Kabila a injectés dans notre pays. Merci beaucoup, docteur Kabanda. Je crois que Banamboka, Bolandi, Nabokebi, docteur Kabanda, Oye Azali Bongo, représentant, il y a UDPS, Nakati, il y a Belux, Awatona, Nakati, la capitale européenne qui est la Bruxelles, le Bruxelles. Et docteur Kabanda est aussi membre du rassemblement de l'opposition. Et je crois que tout n'a pas besoin de la Yango, tout n'a docteur Kabanda. Docteur Kabanda est dans tout ça, il n'y a même pas un message de la part des politiciens. J'ai dit politiciens, je n'ai pas dit seulement l'opposition. Tout ce qui se passe à Kananga,
C'est comme si ça ne les regarde pas. Bazali kouela bobele ba poste na bangona Kinshasa alors que bandeko baza okufa. Vous en tant que membre du rassemblement de l'opposition, et là nous reprochons na bandeko na yo. Ou soit tozomona baza toujours na bonne pas. Na bon pas. Mais je suis d'abord le représentant de l'UDPS et je parlerai en tant que tel d'abord. Et je crois que le dernier message qui a été fait par le secrétaire général de l'UDPS, il a fait allusion à ça. Ça, c'est la première chose. Et donc, on n'ignore pas tout à fait ce qui se passe au Kasaï. Et je crois que les cris sortent de partout pour dire que ça n'est de trop, il faut que ça s'arrête. Par rapport au rassemblement, il y a eu le message du président du rassemblement quand il a parlé de l'échec constaté à la Cinco. Il a fait allusion à cela aussi. Et donc il a dit qu'il se passe des choses au Kasaï et qu'il condamne. Donc ça, ça se dit. Mais personnellement, je dirais que ces paroles ne suffisent pas. Il faut aujourd'hui que les Congolais, ici j'en appelle à tous les Congolais, où qu'ils soient, il faut que nous nous rendions compte que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce n'est plus une histoire de politique simplement, c'est une histoire de tout le peuple. Et le peuple doit se mettre debout. Pas attendre qu'il y ait un leader qui vous montre. Non, la révolution, c'est parfois, il y a des révolutions sauvages qui réussissent à mettre fin à des choses qui sont considérées comme anormal et abominable. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, ça dépasse tout entendement. Et je crois que nous ne pouvons pas continuer à dire les politiques, parce que nous voyons les limites de ces politiques. Le peuple doit se prendre en charge. J'entends dire, qu'est-ce que ça veut dire se prendre en charge? Mais se prendre en charge, c'est-à-dire que moi, là où je suis, j'essaye de faire ce que je peux pour que ça finisse, pour que ces atrocités se termine. Ce que je peux, c'est quoi? C'est le peu que j'ai, la parole que j'ai, le peu de la parole que j'ai, je crie, j'aide ceux qui peuvent faire quelque chose. Je ne veux pas révéler tout ce que je peux faire, mais nous ignorons parfois les potentialités que nous avons, que nous pouvons utiliser pour faire cesser ces histoires-là. Alors, docteur Kabanda, merci beaucoup. Ndeko Bazola Ndayo, pour Bazana souci, va comprendre. Au moment où Ndeko Bazali Koufana Timboulou, au moment où Ndeko Bazali Koufana Kananga, comme Basoso, mais tu remarques que l'opposition, où ils allaient diriger par UDPS, et Tikali Kaka, focalisé Félix Premier ministre, alors que Batobazo continue au Koufa. Est-ce que vous ne trouvez pas que, en se concentrant dans ma Kambouka, Félix Premier ministre, et côté Moussou Kabila, Zo continue au Koboma, Moutoua Naza Tétu, vous pensez que, à qu'on nomme Félix, est-ce que Félix sera nommé, à aussi sa situation, où ils ont les Kanakati en Mbouka actuellement? Le combat qu'on a aujourd'hui, c'est un combat à plusieurs fronts. Le premier front, c'est le front légal, c'est-à-dire qu'il faut que Kabila, qui a épuisé ses mandats, qui reste là où il est, on doit le mettre à l'écart. Ça, c'est un front important parce que, comme on dit, la politique gère tout. Et donc, moi, je pense que quand on insiste que que Félix Tshisekedi, que l'UDPS, que le Rassemblement prenne le poste de Premier ministre, comme ça a été dit dans l'accord, ça veut dire effectivement que c'est la seule voie pour nous de mettre fin à tous ces désordres-là. Et je pense que c'est une démarche tout à fait justifiée. Il faut s'investir là-dedans si on arrive à obliger Kabila à le faire et qu'on réussit, tant mieux. Si on ne le fait pas, ça veut dire quoi? On va continuer à se lamenter par rapport à ce crime-là. Parce qu'en dehors de la solution politique, quelle est notre solution? Militaire, nous n'avons pas d'armée aujourd'hui. Nous pouvons prendre tous les machettes et les bouts d'arbres, des troncs d'arbres, comme ce qu'on nous présente comme ces soi-disant ministres de Kamwina Sapu. À quel résultat on va aboutir? Je crois qu'on n'aboutira à aucun résultat. Ce combat que nous avons sur plusieurs fronts, ce front de contraindre Kabila à comprendre qu'il a épuisé
que sa légitimité aujourd'hui tient aussi de cet accord-là, c'est important, c'est un front très important qu'on ne peut pas abandonner. Mais il faut diversifier effectivement, que c'est aussi, c'est peut-être le moment de faire appel depuis à Nguanda pour qu'il vienne avec sa cinquième, sixième colonne. Mais il avait raison pour dire que Moutoya a un dialogue. Les lobes PCI raison quand même bato il dépense ngwa na robaki baksola kana mutu aya na minduki te fo bengana minduki bino bozana na minduki te mais vous voulez chasser Kabila par dialogue et aujourd'hui excusez-moi le terme il vous a ridiculisé même les intellectuels les juristes à genoux par Kabila. Non, je ne crois pas que ce que vous dites est tout à fait vrai parce que Nguanda ça fait plus de 20 ans qu'il tient ce discours. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que l'UDPS l'empêche de venir avec l'armée et chasser Kabila au pouvoir? Non, chaque fois quand il lançait le message pour que les gens sortent, vous venez avec des concertations, des dialogues, il faut calmer les gens. Ça n'a jamais empêché Nguanda. Les dialogues n'empêchent pas. Kabila est venu avec l'armée alors que la conférence nationale était en plein. La conférence nationale souveraine était là. L'UDPS parlait avec Mobutu. Mobutu était... Mais ça n'a pas empêché Kabila de venir avec les armes et de mettre Mobutu dehors. Nguanda peut le faire. Mais ça fait 20 ans que le même discours, on ne voit aucun résultat. Mais je pense maintenant qu'il va le faire comme il n'y a plus président Tshisekedi. Je crois peut-être qu'il va le faire. Mais sauf que... Il n'y a que des naïfs pour croire à ça. Parce que je crois que Nguanda n'a aucune colonne, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième. Mais s'il en avait, ce serait peut-être bien que c'est à ce moment qu'il fasse quelque chose. On a quand même des informations que bientôt il va frapper, comme d'habitude. Alors, au moment où il fallait lancer un message après l'échec des accords, il fallait directement lancer le message que Batoubab Manabalabala. Et vous vous donnez encore des dates, des 10, des 3. Est-ce qu'il fallait attendre les 3, les 10, les 5 pour faire la révolution, président de l'UDPS Benelux? Échec, ça c'est clair que les concertations ont échoué. Le dialogue, en tout cas, formule 5O, a montré ses limites. Pourquoi? Parce qu'il y a des responsables en ça. Et les responsables, c'est le camp de M. Kabila, qui ne veut pas céder une parcelle de pouvoir et qui veut s'accrocher par tous les moyens. Mais je pense à la responsabilité partagée. Vous voulez un nom et ils veulent 3 noms. C'est là où il y a un blocage. Mais ça, c'est encore un discours tout à fait dangereux de dire qu'eux, ils veulent ceci. Nous. Non, on a signé un accord. Mm-hmm. Cet accord a été signé et il est clair. Et dans cet accord, on ne parle pas de 3 noms, on ne parle pas de 2 noms, on ne parle pas de 7 noms, on parle d'un premier ministre présenté par le Rassemblement. Point. Nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que Kabila a violé intentionnellement la Constitution. Il n'a pas voulu organiser les élections et aujourd'hui, où nous parlons, toutes les institutions de la République sont hors mandat, illégitimes. J'entends qu'il va tenir un discours devant un congrès, un président illégal, illégitime, qui va tenir un discours devant une assemblée illégale, illégitime. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ce genre de choses. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo qu'on voit ce genre de choses. Donc, je pense que Kabila et son camp doivent comprendre que les négociations, c'est-à-dire que tout le monde fait des concessions. Ça ne veut pas dire qu'on démolit la base sur laquelle on négocie. Parce que commencer à dire qu'on donne 3 candidats ou 4 ou 5, ça veut dire même qu'on est en train de violer l'accord. Et si on le fait, on autorise Kabila, qui a déjà violé la Constitution, de violer l'accord, et puis il n'y aura plus rien. Et ce qui me fait dire ça, c'est quoi? C'est le comportement de Kabila. Pour Kabila, on dirait que cet accord n'existe pas. Parce qu'il oublie même que sa légitimité aujourd'hui, qui lui a été accordée pour 1 an de transition, tient à cet accord. Et il se comporte comme si l'accord n'existe pas. Donc on a en face
des gens qui s'accrochent et qui, je ne sais pas s'ils ne comprennent rien ou ils font exprès, mais ces gens ne veulent pas qu'au Congo aujourd'hui, il y ait des élections. Ils ne veulent pas qu'il y ait un état de droit au Congo. Et on ne peut même pas transiger sur le fait de dire la responsabilité est partagée, ils demandent de 3 candidats, vous insistez. Non, l'accord est clair. On n'avait qu'à ne pas signer l'accord hein, si on voulait commencer à discuter sur le nombre de candidats. Non, il ne fallait pas signer l'accord tout simplement. On pouvait négocier tout simplement sans cet accord. Mais dès lors qu'on a signé l'accord, hein, le minimum d'honnêteté intellectuelle et le minimum d'honnêteté en politique, c'est respecter sa signature. Et docteur Kabanda, si aujourd'hui on nommait un premier ministre issu du rassemblement, vous pensez qu'avec le peu de temps qui nous reste, on peut aller aux élections? L'objectif, c'est organiser les élections. Peu importe la date. Non, ce n'est pas peu importe la date. Quand on a fixé un an, on se dit qu'il faut organiser les élections en un an, c'est amplement suffisant. Aujourd'hui, si en face on traîne pour tirer les choses en longueur, c'est parce qu'ils ne veulent pas des élections. Mais si par un heureux concours de circonstances que les choses s'arrangent et qu'on commence aujourd'hui, je pense que la logique d'un an reste valable. Si on commence en avril, c'est jusqu'en avril. Mais il faut que les élections... L'objectif, c'est faire les élections, en tout cas que ces élections soient transparentes et qu'on arrive à l'alternance à la tête du pays. Je ne dis pas que ça doit prendre 2-3 ans, non, on a dit 1 an, c'est 1 an. Alors quel est le plan B du rassemblement? Parce qu'actuellement on voit que tout est bloqué, Senko a jeté l'éponge, est-ce que le peuple peut encore espérer au rassemblement qu'il peut y avoir quelque chose? Dans une lutte comme celle-ci... Surtout un rassemblement démembré. Non, dans un combat comme celui-ci, c'est un combat de longue haleine. Le président Tshisekedi nous a appris beaucoup de choses. C'est la persévérance. Ça, c'est ce que moi j'ai appris de mon défunt président. C'est avant le courage, c'est la persévérance. Et avec la persévérance, on arrive toujours au résultat. Et dans un combat comme ça, contre des gens qui n'ont pas de cœur, hein, je dirais, qui n'ont pas de cœur, il faut persévérer, il ne faut pas se décourager. Parce que si on se décourage aujourd'hui, on laisse la place à ces gens sans cœur, on n'a plus de pays. Donc moi je dirais qu'il faut quoi? Le peuple doit se réveiller, le peuple doit revenir, nous devons revenir à avant le 19 décembre 2016. Quand on exigeait Kabila dégage. Et c'est ce qu'on doit reprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la négociation était indispensable. En politique, quand on fait la politique, on doit être capable de négocier. Et quand on ne peut pas prendre des armes, c'est par la négociation qu'on prend le pouvoir. C'est exactement ce que l'UDPS et le Rassemblement ont fait. Ceci n'empêche personne. Si, il y en a d'autres qui veulent utiliser d'autres méthodes, ils peuvent le faire, on les empêche pas. Mais ici, c'était le choix délibéré de l'UDPS et du Rassemblement de négocier. La négociation a montré ses limites parce qu'en face, on a des gens qui ne comprennent peut-être pas ce que c'est une négociation. Il n'y a qu'une solution, c'est de rappeler le peuple à se prendre en charge, à faire de sorte que ces gens soient dehors. Merci beaucoup, docteur Kabanda. Avant de passer au dernier mot, si vous en avez, une petite question un peu banale. Est-ce qu'on peut savoir la décision de garder le corps du président Tshisekedi ici en Belgique? Ça venait du parti ou de la famille? Parce qu'il y a une confusion. Tout le monde s'attaque contre Félix comme si c'est lui qui avait décidé que le corps de son père reste ici en Belgique jusqu'à présent. Ben, dans cette affaire de funérailles du président, il y a la famille, la dimension famille qu'il ne faut pas négliger. La famille a son mot à dire parce que, qu'on le veuille ou non, quand il y a un problème, dans cette situation, on s'adresse d'abord à la famille. On ne s'adressera pas au parti. Donc légalement, c'est la famille qui doit engager quoi que ce soit en rapport avec le funérailles, en rapport avec l'enterrement. Donc c'est la famille. La famille a une dimension qu'on ne doit pas négliger.
C'est vrai que Tshisekedi, c'est un homme politique. C'est un homme qui a pris une dimension extra, même nationale. C'est une dimension, je dirais, si pas continentale, mondiale. Et donc, politiquement, le parti a aussi un mot à dire. La décision de rapatrier le corps a été la décision de la famille en concertation avec le parti. Maintenant, il s'est passé que le peuple, qui a pris d'ailleurs au mot, et la famille, et le parti, en disant, Tshisekedi de son vivant a toujours dit le peuple d'abord. Ça veut dire que lui, il a toujours écouté le peuple avant de faire tout ce qu'il pouvait faire. Et que ce peuple a décidé que nous, on ne veut pas voir le corps de Tshisekedi ici, mais surtout, pas qu'on ne veut pas le voir ici, mais qu'on ne veut pas voir le gouvernement de Badibanga s'occuper des funérailles de Tshisekedi parce que M. Badibanga est un traître par rapport à Tshisekedi. Et ces gens, ils ont exigé que ça soit respecté. Eh bien, la famille et l'UDP se sont pliés. Ce n'est pas une histoire d'une personne qu'on doit citer, c'est Félix Tshisekedi. Non, 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 non. Je pense que le peuple a parlé, il fallait que la famille et le parti écoutent ça. Maintenant, puisque les choses traînent, et qu'on se rend compte qu'en face, justement, ces gens n'ont pas seulement la mauvaise volonté pour que le Congo n'aille pas de l'avant en termes de processus, mais plus grave, ils ne veulent même pas que le corps de Tshisekedi retourne au Congo. Ça, c'est ma conviction personnelle aujourd'hui. Je pense que le régime de Kabila redoute énormément le retour de la dépouille de M. Tshisekedi à Kinshasa parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver. Bah donc, parce qu'on se rend compte qu'il y a une mauvaise volonté manifeste de faire, en tout cas, barrage au retour de la dépouille de M. Tshisekedi, bah on va s'y prendre autrement. Merci beaucoup, docteur Kabanda. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Un dernier mot. Ben, le dernier mot s'adresse à tous mes compatriotes, à tous les Congolais. Ce qui se passe aujourd'hui au Kasaï, ça s'est passé déjà à l'est du pays, à Beni. Je dirais que ça ne doit pas nous surprendre, mais ça, on a dépassé les limites. Nous ne pouvons pas tolérer ça longtemps. Ça concerne tous les Congolais. Ce n'est plus l'affaire de politique tout seul. Nous devons nous serrer les coudes, nous unir pour conjurer cette abomination qui est en train de s'implanter dans notre pays. Parce que si on ne fait rien aujourd'hui, eh ben, on s'en prend à la jeunesse, hein, l'avenir du Congo. C'est la jeunesse qu'on est en train d'éliminer. C'est un génocide qui ne dit pas son nom, qui cible l'avenir du pays. C'est-à-dire qu'on veut non seulement démanteler le Congo en pillant ses richesses, aujourd'hui on s'en prend à l'âme même du pays qui est la jeunesse. Nous ne devons pas laisser faire ça. Et nous ne pouvons pas continuer à regarder les politiques en attendant qu'eux fassent quelque chose. Non. Tout Congolais doit se mettre debout aujourd'hui pour conjurer cette abomination. C'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup, docteur Kabanda, de nous avoir reçus. Et merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis sur CSTV. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre sur CSTV, suivez-nous sur www.congosociétv.com. Merci beaucoup à Papa Jolie, Moutips à Lille et pourquoi pas à la marraine Madova. Quant à moi, ça vous dit si c'est pas au revoir et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Vous êtes connecté avec CPLA TV, décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Vous êtes ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Vous êtes ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora, ma chaîne Sport. Et aussi ma chaîne Yabana, aussi YouTube Nakati, simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. Le site n'a sur Internet, vous avez des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Bicto IBAN. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car un compte n'a pas. Pour l'ensemble de CPLA TV, n'a pas les. Du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, KIN 24 et Soli TV.